Ce matin du 31 octobre, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les populations sont sorties accomplir leur acte citoyen. Arrivés à bord des véhicules de transport pour certains et à pied pour d'autres, les centres de vote dans la ville de Divo sont bondés de monde. Vous-même, vous constatez que la cour est remplie, les agents sont débordés, on a obligé de mettre un peu d'ordre parce que les parents sont venus. Ils veulent vraiment accomplir leur mission, ils veulent accomplir leurs devoirs pour montrer que le mot d'ordre de désobéissance n'est pas observé chez nous. Vous voyez qu'il y a même plus de place. Je n'ai pas encore voté, mais je suis venu depuis 6h du matin. La population est dit, nous sommes là aujourd'hui pour voter notre candidat. Que Dieu fasse que tout se passe bien, dans de bonnes conditions, que Dieu met la main sur le cœur de tous les gens. En tant que citoyenne, c'est un honneur plaisir pour nous de venir élire le président, le nouveau président qui sera à la charge du pays. Donc j'incite tous mes frères ivoiriens à sortir massivement pour aller voter. Ça, c'est dans cette optique qu'on pourra avoir la paix. C'est mon droit de voter parce que je suis ivoirienne. C'est pour ça que je suis venue. Moi, je demande à tous mes frères et sœurs de venir voter. Le scrutin se passe dans de meilleures conditions. Tout le monde est réuni, la population, tout le monde est sorti. Pour venir accomplir les devoirs. Voilà, nous sommes là depuis le matin. Depuis 7h30, nous sommes là, l'ouverture s'est effectuée à 8h. Nous sommes là et tout à la normale. Dans cette journée paisible de vote dans la région du Lodjibouar, comme en témoignent les observateurs présents, le maire de Divo, Amédée Kouakou, a également rempli sa part des citoyens en se rendant au groupe scolaire méthodiste de Divo pour voter. Oui, nous sommes venus ce matin accomplir notre devoir. Vous savez que le vote est libre dans notre pays. Et vous constatez qu'au niveau du Lodjibouar, tout se passe très bien. Les populations sont mobilisées pour venir voter parce que ce qui les intéresse, c'est le développement de notre pays. Et le développement de notre pays ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix. Vous voyez que c'est pour ça que les populations sont sorties massivement. Nous pensons que nous aurons un très très bon score ici dans la région de l'Ouest.